suis belle quand à Congo number one. Number one. Tant que number one, tout est beauté. Number two, tout est. Number one. C'est ça, président Raboui. Nous allons rabouiller quoi? Nous allons vraiment bouiller. Presse à Mboka. Il va y avoir un numéro 1. Mais internet, beaucoup de bouquets, il va y avoir un numéro 1. T'es na tuni, t'es number 1. Tout le monde, t'es number 1 na tuni. Ils allent à la. Je crois que les téléspectateurs qui nous suivent sont d'accord avec moi que le gouvernement de Kinshasa a accepté de parler avec ces gens-là des accords dont ils sont tiers et complètement tiers. C'est donc ça, oui. C'est ça l'expression donc de la faiblesse de la gouvernance. Ils en profitent lorsqu'ils vont à Kampala. Mais dans le cadre des négociations, parfois on est obligé même de céder même une partie de sa souveraineté. Non, avant dans le d'être cadre obligé, de faire des équilibrages, de faire avant de, d'être obligé, des concessions. Non, parce que, avant d'être obligé dans le cadre des négociations. Mais il existe des points de départ. Nous devons commencer par constater que tout part de la faiblesse de ceux qui gouvernent. Mais puisque vous dites aussi que dans le cadre des négociations, on peut tout accepter. Mais M23 a posé le problème de la légitimité du pouvoir de M. Kabila. Le médiateur a dit non à ça et la famille politique de M. Kabila a également dit non à ça. Donc il ne faut pas affirmer une chose et son contraire. Lorsqu'on estime que dans le cadre des négociations, c'est son adversaire peut tout réclamer, ben, il ne faut pas, après un temps, estimer qu'il n'a pas le droit de réclamer tel point parce que le principe ayant déjà été adopté, il faut aller au fond de cette logique, c'est-à-dire discuter de toutes les questions, mais en créant à tout moment de l'équilibrage, chercher à savoir quels sont les points qui sont véritablement les besoins de la population, quels sont les points qui doivent être mis du côté des intérêts personnels qui ne sécurisent vraiment pas les intérêts de la République, mais vous ne pouvez pas, du coup, comme ça, dire non, nous n'allons pas parler de ça. Non, parce qu'eux disent non au pouvoir de Kabila. Quand ils disent non au pouvoir de Kabila, ça signifie qu'ils contestent sa légitimité. Donc il faut arriver à en discuter, quitte à M. Kabila et sa famille politique, de démontrer à l'autre camp que cette question, non seulement n'a pas de raison d'être, mais qu'il n'y a pas des éléments de fond pouvant justifier sa renégociation. On va évoluer, maître doublé d'une casquette de député honorable. On va évoluer. Aujourd'hui, on appelle à un dialogue. On parle de dialogue national où tous les courants politiques, où toutes les forces vives de la nation vont se retrouver pour essayer de discuter de ces problèmes de la nation, des problèmes de l'Est et du Congo. Est-ce que vous pensez que c'est de cette manière-là qu'on mettra fin à tout ce qui se passe dans l'Est du pays? Quand on sait que ça fait plus de 10 ans que l'Est du pays est en proie à des guerres, des rébellions, des... Vraiment, ça fait très mal de voir aujourd'hui que les frères qui sont dans la partie est du pays arrivent difficilement à fermer l'œil de la mue parce que à n'importe quel moment, les armes peuvent tonner, à n'importe quel moment, une femme peut être violée, à n'importe quel moment, un enfant peut être abattu. Beaucoup de gens errent dans la forêt parce qu'ils ne savent pas où se cacher. Est-ce qu'après 10 ans aujourd'hui, quelle est la solution qu'on peut aujourd'hui trouver? Est-ce que c'est autour d'un dialogue qu'on peut trouver une solution durable? La problématique du dialogue en République démocratique du Congo me fait penser à une sagesse africaine, hein, la sagesse de l'arbre à palabre. Vous savez, en tant qu'Africain, nous savons que même si des problèmes graves arrivent dans un village ou dans une tribu, il est toujours recommandé, et ce qui est d'ailleurs toujours fait, les gens se retrouvent pour parler de ce problème. Et ils se retrouvent généralement autour d'un sage ou autour des dépositaires de la sagesse au niveau du clan. Ça, c'est ce qui s'est fait. Donc, en tant qu'Africain, je ne peux qu'agréer cette idée. D'ailleurs, vous savez aussi qu'au-delà des valeurs africaines, même dans les cultures qui nous sont des cultures d'emprunt, il y a ce concept-là de dialogue. Ça signifie que les gens doivent se retrouver pour parler des problèmes qui les concernent afin de normaliser leur situation. Il faut qu'il y ait dialogue. Il est important que dans une république, les gens se parlent. Mais la question consiste à savoir de quelle manière ces gens vont se parler et c'est pourquoi ça. Ils doivent se c'est parler. C'est ça, parce que ce n'est pas la première fois que les gens se parlent dans ce pays. Les gens se sont toujours parlé. Il y a eu Sun City, il y a eu beaucoup de rencontres, il y a eu la conférence nationale souveraine.
Et dans les années 90, on s'est dit avec la conférence nationale souveraine, c'est fini, vous étiez là, jeune et tout ça, dynamique, étudiant, voilà, c'est la conférence nationale souveraine, tous les problèmes du pays vont être débattus de manière claire, on l'a vu à la télévision, et on s'est dit, bon, ça y est, cette fois-ci, le pays va décoller, mais jusqu'aujourd'hui, des années après, on dialogue, on va continuer à dialoguer, pour quelle fin? Oui, d'abord, je dirais que tant que sera la République, il y aura toujours un besoin de dialogue parce que les problèmes continueront à se poser. Mais notre difficulté vient du fait que les acteurs en présence ne tiennent pas compte des vrais besoins de ce dialogue. Vous savez, comme nous sommes dans un environnement politique habitué aux négociations, aux coups bas, les gens croient que l'occasion du dialogue, c'est une occasion de prise de pouvoir. De se repositionner. Ce qui donne des ouvertures à ceux qui ont la gestion de la République, qui se disent, bon, je dis qu'il y a ouverture de dialogue et après je vais débaucher les gens dans tel ou tel groupe. Finalement, on dira que les Congolais se sont retrouvés et se sont mis d'accord sur la nouvelle façon de gérer la République. Mais aujourd'hui, je voudrais rappeler que lorsque M. Joseph Kabila avait pris le pouvoir, il devait tenir compte du contexte qui lui avait permis d'y arriver. Ce contexte tient de la naissance de l'AFDEL. Et avec la naissance de l'AFDEL, il y a eu une influence de plusieurs groupes, en termes d'État ou en termes d'autres groupes politiques influents. Hein, donc, ces différents groupes ont agi dans la République au point d'y laisser leurs différents conflits. Donc, Kabila, lui, qui avait pris le pouvoir, devait tenir compte de cet aspect. Pour se dire, aujourd'hui que je suis au pouvoir, demain, quand j'aurai à gérer, comment je serai appelé à gérer ces problèmes suscités par la présence des différents groupes. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le problème congolais ne tient pas uniquement à une mauvaise perception des choses de la part des Congolais, à certains appétits des Congolais. Il y a plusieurs forces en présence. Mmh. Il faut nécessairement tenir compte des besoins de toutes ces forces en présence qu'il faut intégrer dans le besoin principal que celui des Congolais. C'est ce qui a été fait dans le cadre du dialogue intercongolais. Oui, mais ça a été mal fait. Ça a été mal fait parce que le recours à l'exclusion a fait qu'une frange importante de la population congolaise qui pouvait bien apporter une contribution nécessaire à l'émergence des choses n'a pas été prise en compte. Et c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Dans le cadre du dialogue, par exemple, je suis désolé lorsqu'au niveau des Kampala, on estime qu'on ne peut pas parler de la légitimité du pouvoir de Kabila. C'est une grosse erreur. Il faut laisser les gens parler, parce que lorsqu'ils parlent en vous faisant des reproches, vous aurez à vous défendre et ensemble, vous allez tomber sur ce qu'on appelle un terrain d'entente. Mais lorsqu'on fait des domaines réservés dans le cadre d'un dialogue, ça pose problème. C'est pourquoi j'ai dit, il faut chercher à savoir comment organiser ce dialogue et qu'est-ce qui va être débattu. C'est ça le problème. Mais justement, dans à Kampala, puisque vous en parlez, il y avait un cahier des thèmes à débattre. Et parmi les thèmes à débattre, il n'y avait pas ce problème de légitimité. Raison pour laquelle, du côté majorité, on a dit, ben non, on n'est pas venu ici pour parler de ça. Les thèmes à débattre étaient clairement définis, clairement connus par les deux parties. Et dans le dialogue, puisqu'on parle du dialogue national, je pense qu'il faudrait partir par là, savoir, on veut faire un dialogue national cette fois-ci. Pour dire quoi, pour aboutir à quoi, et les conclusions de ce rapport vont être respectées ou pas, et par qui, comment doit-on faire pour que ça soit respecté, quelles seront des mesures de contraintes qu'on va mettre en place pour que, justement, ce qu'on aura pris comme résolution puisse être... Cette réaction de la famille politique de M. Kabila à Kampala est justifiée, parce que la famille politique de Kabila est étonnée de constater que ceux avec qui ils sont dans un même groupe, ceux avec qui ils concoctent des choses contre la République, veulent le départ du numéro 1 du groupe. C'est pourquoi moi, je suis de ceux qui pensent qu'ils doivent arrêter cette affaire pour pouvoir dialoguer avec les vrais défenseurs des intérêts de la population. Donc, lorsque j'estime que le M23 ne peut pas soulever la problématique de la légitimité, c'est tout à fait normal, parce qu'ils savent que c'est grâce aussi au M23 qu'il y a eu cette proclamation en faveur de M. Kabila comme président de la République par la Cour suprême. Parce que, comment ça? Mais c'est dans les territoires occupés par le CNDP, aujourd'hui M23, qu'il y a eu tous ces résultats inestimables. Mais le contexte n'était pas le même. Là, ils n'étaient pas...
ces populations n'étaient pas sous occupation et que les rebelles contrôlaient tout. Non, ces populations étaient sous influence de ces gens. N'oubliez pas que pendant la période électorale... Mais le vote est libre, c'est chacun qui va librement, entre dans un isoloir et vote qui il veut. Justement, vous parlez de liberté de vote lorsqu'il s'agit d'un citoyen qui va poser son papier dans l'urne. Or, vous savez que pour ce qui est de notre pays, il a été dénoncé de bourrage d'urne. C'est-à-dire qu'il y a eu des coins où les citoyens n'avaient pas voté, mais il y a eu des votes fabriqués. Voyez, et cela a été bien parrainé par ce groupe armé qui aujourd'hui est en conflit entre guillemets avec M. Kabila. C'est pourquoi nous nous disons qu'étant donné que tous forment un même bloc, il faudrait qu'ils se retrouvent en face de ceux qui ont des revendications légitimes du peuple. Parce que lorsque la famille politique de M. Kabila aura à se retrouver, par exemple, avec d'autres familles politiques, la question de la légitimité ou de l'illégitimité de son pouvoir ne devra pas être mise hors cause. Parce que c'est un problème réel qui aujourd'hui divise les Congolais. Il y a une famille politique de ce pays qui estime avoir gagné l'élection présidentielle et qui continue à réclamer ce siège. Et dans le cadre d'un dialogue, ce problème doit être pris en compte parce qu'il s'agit d'une réalité qui colle les Congolais. Donc, quelqu'un de la majorité pourra dire non, c'est un faux problème. Vous savez, Kabila a été proclamé par la Cour suprême de justice. Oui, les citoyens. Mais on n'a pas eu, lorsqu'on parlait de ça, on n'a pas vu des grandes manifestations de contestation dans tout le pays. À Kinshasa, oui. Mais on n'a pas vu à l'Équateur, au Bandundu, où les gens manifestaient pour dire bon, voilà, il y a eu des élections truffées. On n'a pas vu ces grandes manifestations nationales à l'échelle nationale. Je vais vous dire une chose. Pour voir les gens qui contestent, par exemple. C'est l'occasion pour nous de dire mais aujourd'hui... Mais par contre, pour la guerre, lorsque les rebelles du M23 ont pris les armes, on a vu des grandes manifestations. Des manifestations montées, vous savez, c'est ça aussi le problème. Quand ce n'est pas le PPRD qui va envoyer des gens brûler son propre siège. Ça a été brûlé par des gens mécontents à Kisangani. Il existe une mise en scène à Kisangani. On a reproché au PPRD de mal gérer la République en exposant les vies des Congolais. Ce n'est pas parce que les gens ont été d'accord avec... En fait, c'est l'expression d'un ras-le-bol. Mais moi, ce que je veux dire ici est que il ne faudrait pas qu'à ce jour, les gens prétendent qu'il n'y a pas un problème de légitimité du pouvoir de Kabila parce qu'il n'y a pas eu de grandes manifestations. Non. Vous serez d'accord avec moi que le peuple congolais était debout à la publication des résultats de l'élection présidentielle, par exemple. Le peuple quinois. Non, je parle du peuple congolais. Non. Le quinois était debout. Je parle du peuple congolais. Et je crois que vous, en tant que journaliste, vous avez eu à couvrir ces activités sur l'étendue de la République. Oui. Vous avez vu la tension qu'il y avait. En fait, le peuple a été étouffé. Et là où les gens ont commencé à faire quelque chose, ce peuple a été brimé. Mais cela ne voudrait pas dire que ce problème est terminé. Donc c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, étant donné que ce peuple a des représentants qui sont ses porte-voix, il est important que l'autre famille écoute ses représentants pour que tous ensemble, on aboutisse à une vraie solution. Parce que dire qu'il n'y a pas eu manifestation, c'est une façon pour ce pouvoir de croire non, que le peuple est congolais. Il y en a eu, mais au niveau de la capitale, oui, mais on s'attendait effectivement à des grandes manifestations de contestation comme dans d'autres pays. Monsieur Adam... Ils se mettent en ébullition. La capitale. Mais au Congo, c'est juste Kinshasa qui a manifesté. Bon. La capitale a toujours été le centre d'impulsion de l'action politique. Hein? Et je crois que même ceux qui appartiennent à des états-majors politiques, ils savent comment ces choses-là fonctionnent. Mais c'est surtout parce qu'il y a eu un leader responsable qui avait demandé aux Congolais de tempérer ses velléités, d'attendre. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un complot contre le peuple congolais. Les ennemis de la République qui avaient organisé la fraude et la tricherie s'attendaient à ce que le peuple congolais dans son ensemble soit dans la rue pour lui imputer et par conséquent imputer au leader qui est l'expression de la volonté de cette population la responsabilité de certains faits graves. Et comme Dieu aime ce pays et comme ce pays dispose des leaders éclairés, il a compris
Et par son mot, le peuple a compris qu'il fallait ne pas tomber dans ce piège. Au Parlement, on parle de la recomposition de la CENI. On dit qu'il faut faire en sorte que les gens de la société civile puissent également y participer. Alors cette recomposition de la CENI, est-ce que ça donne raison finalement à l'opposition qui dit que les choses ont été mal organisées? Ne vous en prie, on ne parle pas de recomposition, il y a restructuration de la CENI. D'accord, c'est-à-dire qu'il faut refaire la CENI dans sa configuration matérielle. Oui, est-ce que tout cela ne donne pas aujourd'hui raison à l'opposition, à tous ceux qui ont contesté Je suis de la famille toutes politique, les élections Je suis de la famille politique qui a toujours soutenu que la question électorale doit être le fait de la société civile. La société civile, qui est comme l'église au milieu du village, doit être là pour gérer les appétits souvent égoïstes des politiques. Et une institution, c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on appelle la Commission électorale nationale indépendante ou l'Observatoire national des droits de l'homme, qu'on les appelle organisations citoyennes d'appui à la démocratie. Au fait, ce sont des citoyens qui doivent se retrouver animateurs de ces institutions dans le but de se présenter comme les gardiens ou les policiers de la démocratie dont l'effectivité est mise en danger par les politiques que nous sommes. Donc c'est dans ce sens-là que je suis, comme je l'ai dit, de ceux qui ont toujours soutenu la gestion d'une commission électorale par la société civile. Vous dites qu'il y a un problème de légitimité, le président a été élu avec beaucoup de problèmes. C'est vrai qu'il y avait des irrégularités, mais vous aussi, vous les députés, vous avez été très mal élus. On a vu la tricherie, que ce soit au niveau des députés du pouvoir que ceux de l'opposition. Mais justement, il y a eu des tricheries à l'échelle impossible. Excusez-moi, monsieur. Qu'aujourd'hui, Adam, les députés ont été mal élus. Monsieur Adam, vous il parlez. Il est même difficile de faire confiance à cette Assemblée nationale aujourd'hui. Vous parlez de tricherie, moi je parle de fraude. Parce que j'estime que la fraude englobe le tout. Et comme la fraude corrompt tout, nous devons tous en tirer les conséquences. C'est pour cette raison que donc, j'ai dit les députés, à l'heure, je vous en prie, on doit se retrouver dans le cadre d'un dialogue qui, en principe, doit amener les acteurs à se remettre en question. Il ne faut pas qu'il y ait, à l'occasion de ce dialogue, des questions taboues. S'il faut qu'il y ait remise en question de l'ordre institutionnel dans l'intérêt de la République, il faut y réfléchir. Mais il ne faudrait pas que cette remise en question puisse seulement profiter à un seul individu ou à un seul groupe. Ça doit se faire dans l'intérêt du peuple congolais. C'est comme j'ai dit tout à l'heure. Pour les élections, légitimité de M. Kabila remise en cause. Pourquoi? Parce que lui-même a reconnu qu'il y a eu des problèmes pour son élection. Donc aujourd'hui, on ne peut pas empêcher aux Congolais de continuer à le rappeler. Parce que le bénéficiaire de cette fraude l'a reconnu lui-même. Et il y a un principe. Mais vous-même, les députés, vous ne reconnaissez pas, vous non plus, que vous avez été mal élu. Bon, au fait, le problème des députés doit également être débattu. Absolument. Si les partis au dialogue estiment que cela remet en cause la paix dans la République. Moi, je me dis que nous avons eu dans ce pays des personnes qui ont été véritablement élues et qui n'ont pas été proclamées comme telles à la suite des fraudes avérées. Si dans le cadre d'un dialogue politique, on peut tous, au nom de la République, arriver à le constater, mais il faudrait que chacun de nous s'oublie dans l'intérêt de la République. Ce n'est pas parce que je suis député national, en tout cas moi en ce qui me concerne, vous pouvez être rassuré, j'ai été bien élu, que je dois éviter... Ça reste à vérifier aussi. Non, ça a déjà été vérifié. Ça a déjà été vérifié. Oui, oui. Hein, je crois que j'ai mené un combat qui a poussé... Tout le monde dit qu'il a été bien élu. Non, tout le monde le dit. Hein. Et d'ailleurs, vous savez... Les députés disent qu'ils ont été bien élus, mais ils reconnaissent pas ceux de l'opposition ne reconnaissent pas Kabila, etc. Bon, dans le cadre de ces débats, vous savez, lorsqu'on a des considérations personnelles, chacun risque de prendre sa défense. C'est ça. Mais moi, j'ai dit, et je suis prêt à m'en assumer, nous devons débattre de tous les problèmes qui freinent l'élan de décollage de la République. S'il faut dire à l'issue de ces dialogues que ben, voilà, toutes les personnes ayant été mal élues, M. Kabila, vous n'êtes plus président de la République, messieurs et mesdames les députés, vous n'êtes plus députés, on organise immédiatement d'autres élections où on donne le pouvoir à ceux qui ont gagné,
les gens impliqués dans les dialogues peuvent trouver des mécanismes qui peuvent leur permettre de vérifier. Puisque les données sont jusqu'à ce jour gardées par la Commission électorale nationale indépendante et par la Cour suprême de justice, on peut voir, par exemple, au nom de la paix, quel est ce député qui n'a pas été élu mais qui a été proclamé comme tel. On peut voir qui a gagné l'élection présidentielle. Si ce n'est pas M. Kabila, c'est lui qui a gagné. Comme le président Tshisekedi, par exemple, prend les rênes de la République et M. Kabila attend. Donc, c'est pourquoi je dis, sans faire de l'anticipation, il ne faudrait pas que les gens aient peur du dialogue. Le vrai problème ici, c'est que l'on se regarde tellement soi-même que les gens se disent, ben, si ça arrive, je risque de ne plus être là. Vous ne serez pas là, mais vous y serez parce que la République va continuer à exister. Il faut que chaque citoyen se cherche un rôle dans la République, pas forcément au niveau des institutions. Hein? Donc, on a toujours un rôle à jouer pour faire avancer les choses. Voilà. On va bientôt terminer l'émission. Il nous reste trois minutes. En trois petites minutes, on va peut-être parler du social et de l'économie. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo enregistre une croissance économique de 7,2%. Et le gouvernement envisage de ramener cette croissance à 8,2% l'année prochaine. Le taux d'inflation se situe autour de 0,02%. Un satisfecit pour les ministres, pour le gouvernement Matata Ponyo, qui bombe le torse et qui se félicite de ces avancées. Mais sur le plan social, on ne vit pas encore les fruits de toutes ces prouesses. Et ça fait longtemps que ça dure, croissance. Et on avance sur le plan économique, mais le social reste désastreux. Oui, ben vous savez, ça c'est un exercice que M. Matata et les siens ne cessent d'offrir aux Congolais, se satisfaire des chiffres. La croissance économique ne rime pas forcément avec le progrès social, parce que le progrès social se détermine par rapport aux réalisations. Parce qu'une croissance peut être le fait des chiffres qui peuvent également être manipulés. Et parfois, une croissance en termes de chiffres peut également n'être profitable qu'à un groupe. Mais ce qu'attend une population, c'est quoi? Ce sont des réalisations. Moi, je suis député élu de la circonscription électorale de la Tchangou. Mais lorsqu'on parle de croissance économique, mais je me pose la question de savoir qu'est-ce qui a changé dans la circonscription électorale de la Tchangou. Parce que le problème d'électricité s'aggrave dans ma circonscription, disons de manque d'électricité. Moi, je suis né dans un quartier où il n'y a jamais eu d'eau et d'électricité. Cette situation demeure jusqu'à ce jour. Lorsque vous suivez les fameux travaux qui ont commencé à se réaliser dans des conditions rocambolesques ici à Kinshasa, vous constatez que la Tchangou est toujours abandonnée. Le boulevard Lumumba n'est pas dans un état qui permet aux citoyens de bien y circuler. Ah, il est en construction, le boulevard Lumumba, quand même. Il n'est pas en construction. Les travaux sont en arrêt. Depuis la tenue des travaux de la francophonie, en fait, c'était juste pour faire passer les francophones. Et comme à la Tchangou, les gens ne sont pas peut-être francophones, ils n'ont aucun intérêt à entretenir cette population. Bon, ça restera et pas comme ça. Comme selon vous, les travaux s'effectuent sur le boulevard, et vous savez qu'il n'y a pas d'eau à la Tchangou. Qu'est-ce qui est fait pour que la population de la Tchangou puisse avoir de l'eau? Ce n'est que lorsque nous aurons des réponses positives à ce genre de questions que nous pourrons faire confiance à ce genre de chiffres. J'ai dit, monsieur Matata, ne vous contentez pas de vos bureaux climatisés de la ville que vous avez réhabilités au détriment de la population, très cher d'ailleurs, en y injectant beaucoup de millions, inutilement, l'argent qui pouvait servir à l'achat des transformateurs de Kimbanse, Kijili, Massina, Maluku, Sele. Il y a un problème d'insécurité à la Tchangou. Qu'est-ce qui est fait pour renforcer le travail de la police qui se déploie à tout moment mais qui ne dispose pas de suffisamment de moyens? Le district de la Tchangou est un grand district dont la police doit être bien équipée. Quelle est la place de l'équipement de la police de la Tchangou dans les chiffres évoqués par M. Matata? Quelle est la part de la prise en charge en soins de santé primaire aujourd'hui de la population de la Tchangou par rapport à tous ces chiffres? Donc, il est bon de se faire plaisir en disant qu'on a fait des grandes réalisations, mais ce que cherche la population, c'est l'amélioration de la condition. Et l'amélioration de la condition sociale de la population doit se palper par des actes matériels
Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas comme l'achat des bus, comme l'achat des bus par exemple. Là, c'est palpable. L'achat des bus qui vont rouler sur quelle route ? Monsieur Adam, je vous dis aujourd'hui. Transporter les populations. Vous quittez. On parle de 300 bus qui doivent arriver à Kinshasa. Pour quelle population ? Vous quittez le district du Mont en bas. Dès que vous dépassez le pont de la rivière Njili, à votre droite, vous avez l'entrée Njili par le quartier 8. Cette route qui va jusqu'à Sekomaf, en montant vers Njili Brasserie, qui est d'ailleurs une route de desserte agricole, est dans un état inimaginable, impraticable. Vous arrivez avant même, dès que vous dépassez ce qu'on appelle Njili, le boulevard Kimbuta, pour atteindre la place Sainte-Thérèse. Mais c'est catastrophique. Ne parlons même pas de la route qui est devant le commissariat ou le district de la Tchangou. Donc, dans une république où les routes ne sont pas bien réhabilitées, à qui penser que les travaux ont commencé depuis deux mois? Ça ne se termine pas, ça se termine, ça s'éternise. Ces bus vont rouler où? Mais puisque je suis député national, prenons le cas des autres circonscriptions. Ces bus vont rouler dans quelles conditions? Non, je crois qu'aujourd'hui nous devons éviter, ou bien nous recommandons à ces gens-là, d'éviter de nous faire du tape à l'œil. Ce n'est pas en venant avec des bus. Savent-ils combien de fois la ville de Kinshasa a reçu des bus dans le but de l'amélioration des conditions de transport des Kinoises et Kinois? Ça aboutit à quoi? Quels sont les mécanismes de gestion mis en place pour permettre à ces bus de bien faire leur travail? On dit actuellement c'est les bus neufs, c'est pas comme des bus qu'on avait l'habitude d'acheter. De combien de places? Qui ne mettaient pas longtemps et de aujourd'hui ce sont places? Les bus neufs la qui arrivent, aura sortis des usines et qui mettront beaucoup plus de temps. Selon. Non, moi je crois qu'aujourd'hui le meilleur investissement que fera Maître Matata consistera à bien scruter les besoins réels de la population congolaise, de la population kinoise, puisque je suis un élu de la Tchangou, de la population de la Tchangou. Il n'y aura pas satisfaction. Il y a un accroissement terrible de la population. Est-ce que M. Matata a trouvé des solutions aux populations de Mfumunkento qui doivent arriver au centre-ville, aux populations de Mpassa, aux populations de Kimbanseke, quartier Monsengo? En fait, M. Matata se contente de ce qui lui apparaît devant les yeux en ville. Il connaît, il est loin de réalité congolaise. Casarema.fr présente le groupe musical chrétien au Royaume Éternel dans un album signé Adorons les grands rois sur support DVD, s'il vous plaît, avec une plaie de chansons mythiques telles que Tout doit changer au nom de Jésus, Élevez-vous peuple de Dieu, Bénis les mariages, Ba papa pe ba mama, Bona bana, Bili bota mubimba, Pena ba fête nyonso bolingaka. Album ya kitoko yangoyo ba image pour tous disponible sur tous les bons disquaires de la place. Achetez l'original. Adorons les grands rois en support DVD avec une plaide de chansons mythiques telles que Tout doit changer au nom de Jésus, Élevez-vous peuple de Dieu, Bénis le mariage. DVD Bozelaki pour la maman, ba papa, bibana, en bref, famille Mobimba, Yamoyo. Adorons les grands rois en support DVD. Achetez l'original. À Paris chez Capem, promotion pour les fêtes. Capem Mukondi Agence, Capem Agence Yabananzam. Promotion chez Capem, Kozanga Tendeko, Yakambangu na Capem, Otinda Biloko na yo.
Du nouveau chez KPM Multimo à Paris. Promotion, promotion. Vous avez des marchandises que vous souhaitez envoyer à Kinshasa, en RDC Congo et partout en République démocratique du Congo. Venez chez KPM Multimo à Paris. Promotion, promotion, promotion. Donc vous voyez, il y a 9h pour 10h pile. 10h pile, 10h 2 minutes, la bienvenue dans le Kingo, c'est bon. Ah ouais, tout le travail en manière. Ne manquez pas, ne tardez pas, venez chez KPM, envoyez vos produits. Promotion pour les fêtes. Contact 01 46 06 69 26 ou 06 16 35 41 91 mail kpmparis-multimo@hotmail.fr. Parce que lobby est ça yo. T'as là le frère Marius Lumumba, zongi de soussoyer pas un peu. Bien aimé Bondi Maboyamba, album Oyo. Tu es capable. Nangolo Nzambe, album Oyo. Bon, dès que j'ai la mingi à Paris, en Belgique, en Hollande, en Angleterre, partout en Europe. Voici l'album Tu es capable. Je suis allé à la maison. 3W.kazarema.fr Bala Autolobi Zambaza Roulage. Bien-aimés dans les seigneurs, le frère Nixon Mavinga avec son album Mon Berger. Pour vous, pour nous, question de louer l'éternel. Frère Nixon Mavinga avec l'album Mon Berger, Baye. Nasombate, Nazwa Zero, album Mon Berger, disponible sur cassette, CD, DVD, Banzembo Kitoko, Boyoka Banzembo, mes frères Nixon Mavinga, l'album Mon Berger, Baye. Frère Nixon Mavinga a célébré album Mon Berger sur le marché. Bobina Kawapie. Bobina la Mokondit. Album Mon Berger Yango Yoe. Banzembo Kitoko. Banzembo Lorula Matea. En même temps, Ezo Binisayo. En même temps, Ezo Teayo. Boya Boe. Ezalate. Ezaninye. N'album Mon Berger. Satanazui Zero. Nasombate. Jamais.